Salut tout le monde, c'est Ugly Glitcher. Aujourd'hui, je vais jouer à Black Ops 3, encore une fois, encore sur Exodus, la meilleure map de glitch du jeu. Puis, je vais montrer toutes les alternatives du glitch que j'avais pas montré pendant que je jouais, pendant que je faisais le glitch la dernière fois. Parce qu'il y a tellement de places que tu peux aller que c'est vraiment totalement impossible de le faire en une vidéo. Donc ça se peut que je fasse plusieurs étapes de vidéo, exemple, plusieurs parties. Donc assurez-vous de toutes les regarder si vous aimez ce genre de vidéo-là. Si vous ne l'aimez pas, écrivez en commentaire que vous aimez pas trop. S'il te plaît, Louis, fais pas chier si tu regardes ça. Bref, c'est bon. À plus! Ok, bon, maintenant on est quand même relativement proche du glitch. Là aujourd'hui, je vais pas trop faire de kills pour avoir des munitions pour camper. Je vais vraiment juste vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce glitch là. Donc je vais pas faire 20 000 trucs. Oh non, j'étais à plus. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, oh merde. D'ailleurs, je vais même rester super loin jusqu'à ce que les bots me... Jusqu'à ce qu'il reste un bot. Donc, je vais aller à la place de me battre, de camper pour me battre. Juste pour faire du glitch et tout. Je vais vraiment rester loin, je vais vraiment tout faire dans la game. Okay, donc premier endroit du glitch, on va dire, c'est ici. Tu peux aller venir ici, c'est vraiment super utile. Puis, faut surtout pas dépasser cette ligne-là parce que checker, tu tombes en alerte. Ça. Donc là, faut que tu restes dans la rue ici. Puis là, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire parce que sûrement qu'ils s'attendaient vraiment pas à ce qu'on puisse glitcher cet endroit là, donc tu peux aller à plein d'endroits un peu. Puis pas mal tout est non texturé comme ça. Mais moi ce que je vais vous montrer, c'est par ici. Et voilà. Ici on peut aller sur le bord de la plage par là. La map est quand même pas pire loin. Puis tu peux pas... Tu peux pas trop te rapprocher, mais c'est pas tant grave que ça. Ça, c'est le premier endroit de glitch que je vais même montrer. Genre d'ici, si t'as un bon sniper, tu peux vraiment tirer de loin. Mais c'est ça, c'est pas le glitch le plus utile. Non, je voulais retourner. Bonsoir. Vous avez compris à peu près le principe de cette vidéo là, j'espère, parce que sinon vous êtes un peu bizarre, nul. Bon, je vais me rendre au glitch, donc on se revoit dans le suite. Et donc là j'ai toujours pas réussi à y aller, c'est juste que c'est un peu à chaque fois que je réussissais enfin, je me faisais baquer dans le tirer dans le dos, donc c'est un peu chiant, mais ça arrive. Ok, j'arrive enfin à l'endroit du glitch. Là, je vais essayer de me concentrer. C'est-à-dire, je vais rater. C'est sûr. Bon, je vous retrouve quand j'ai enfin réussi le glitch. Je suis enfin à la fenêtre, les amis. Ça m'a pris un peu de temps, mais c'est normal. C'est comme un peu compliqué. Piquant. Compliqué. Ok. Ça c'est pas mal le glitch le plus
facile à faire. Là, il y a un autre glitch juste là. Qui est quand même facile à réaliser. Tu fais juste grimper sur les murs invisibles, puis là, tu peux. Comme ça. Là, il y a celui-là, mais c'est comme tu restes bloqué, donc c'est pas super. Quoique, tu peux, peut-être wallrun, mais je sais pas. Mais checker ici. Je peux tirer dans le pied du monde. On va attendre que quelqu'un passe ses pieds. Je vais vous montrer, là. On peut tirer dans le pied du monde. Vous l'avez vu, là. J'ai aucun talent. Mais bref, cet endroit-là, il est comme totalement con parce que tu peux plus bouger. Mais sinon, cet endroit-là pourrait être quand même utile. Bon, je vais me suicider. C'est bon, c'est fait. On se retrouve à l'endroit du glitch. Glitch. Donc là, je vais refaire le glitch encore une fois. Oh wow. Ah, c'était ça. Ah oui, c'est vrai, il y a du monde qui sont totalement disparus. Yo, il y en a qui est mort 16 fois. Mais voyons donc. Lui, c'est le pro de la game. Bah, pour moi qui est 13. Mais 14, je veux dire. Ok. On se retrouve à l'endroit du. Première étape réussie. Deuxième étape, ma foi, réussie. Ensuite, suivant. Ma foi réussi. Ok, donc là on arrive à l'endroit de. Ah, j'avais plus de boost. Bien sûr. Ça meurt. Je déteste ça quand t'as plus de boost dans ce jeu-là. Puis là, tu fais un glitch qui est full du chiant et long à faire, un peu comme ma bite. Un peu con le boss, c'est que je bouge pas depuis le début. Bon. Ah, si, j'étais déçu. Bon. Mais à quel moment? Ok, bon. Le bot est un peu con, il m'a pas vu. Il est parti par là. Ok, bon, on se retrouve quand j'ai réussi le glitch. Le glitch de merde. Bon, de retour ici, enfin. T'arrives ici, tu jumpes par-dessus ça. T'attends que ton jump revienne. Tu fais ce même. T'attends que ton jump revienne. Là, ici, il y a une manière, tu peux passer au travers de ce plancher-là, mais c'est comme totalement inutile parce que tu restes bloqué puis tu finis par mourir de d'ennui. Ok, donc là, de suite, continue à suivre par là. Faut faire ça de même ici.
ça, mais je suis sur le mur le plus haut, je suis con. Donc l'autre tombe ici. Donc là, je vais vous montrer comment se rendre sur le toit là-bas. Ben, le toit, la boule, sur les trucs chinois, japonais, asiatiques. Je sais pas c'est quelle nationalité, ces trucs-là, donc... Quoi? À quel moment le mur invisible est apparu à cet endroit-là? Parce que j'ai jamais pogné le mur invisible là. Bon, c'est correct. Vous avez pas mal compris là, c'est vraiment le meilleur glitch du jeu. Je vais me forcer un peu, juste pour la fin de la vidéo, je vais faire des kills au sniper puis à l'annihilateur. Approche, petite merde. Oh! Ok. Ah oh, merde, je me suis fait tirer. Brrr. Il est totalement nul! Mais mec, je pourrais le... Okay. Oh merde, j'ai pas ça. Okay. Je sais pas si là sur Xbox, mais il y a... Il y a un glitch à cet endroit-là sur PS4. Ok, t'as le... fois 56 fois de chances de rater, puis 12 chances de réussite. 56 chances de rater puis 12 chances de réussite. Mais bon. J'étais tombé en avant où il n'y avait plus de. Bon, c'est ça le glitch. Il y a plein d'autres endroits où tu peux aller. Si vous le faites, vous pouvez découvrir de votre façon. Donc, moi, je l'ai découvert en regardant une vidéo sur YouTube. Puis j'ai trouvé pas mal en somme. Je l'ai essayé quelques fois. Puis je trouvais ça vraiment en somme de pouvoir aller à plein d'endroits comme ça dans la map, se promener ses toits. Donc, moi, ce que je pensais faire, c'est peut-être un jour faire un combo de sniper sur les toits avec mes amis. Genre, moi, je pourrais rester épique. Donc, pour ça, il va falloir que je m'améliore un peu. Autant que j'ai Xbox Live. Mais bon. À la prochaine, je vais. La prochaine fois, je risque de faire des trucs. Des glitchs aussi. Donc. C'est malaisant. Ok. Bon. Bye tout le monde, c'était Ugly Glitcher. On va bientôt se retrouver. Ne vous inquiétez pas. Parce que je sors souvent beaucoup de vidéos par jour. Ça se peut que j'en sors pas que certains jours, que j'en sorte moins certains jours. Mais c'est correct, je vais juste jouer comme je veux. Je vais sortir, poster des vidéos comme je le veux. Donc, à la prochaine.